La France était la nourricière des grands, des prêtres et des rois, qui du peuple trop des bonheurs avaient usurpé tous les droits. Mais à beau jour, là de ces traîtres, le peuple faisant son devoir, ne voulut pas revoir les rois, les grands, les prêtres, et recouvra sa liberté, les mœurs et la gaieté. Les prêtres se fâchèrent, mais le peuple tint toujours bon. Chez les tyrans, ils cavalèrent, nous menaçant de leurs canons. Mais pour combattre tous ces traîtres, le peuple entier se rassemblant, menaçant pour battant les grands, les rois, les prêtres, et conserva sa liberté, ses mœurs et sa gaieté. Les agents de Pitt à la ronde avaient su répandre en tout lieu que les Français repus du monde venaient de renoncer à Dieu. Mais le Français, malgré ses traîtres, rendit dans un jour solennel hommage à l'Éternel, sans grand ni roi ni prêtre, tout en chantant la liberté, les mœurs et la gaieté. Peuple qui nous faites la guerre, quand ouvrirez-vous donc les yeux? Quoi, votre sang rougit la terre pour des despotes odieux? L'homme ne peut avoir de maître, il ne doit pas se dégrader. Chassez donc sans tarder vos grands, vos rois, vos prêtres, et recouvrez la liberté, les mœurs et la gaieté.